Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, une émission où le genre cinématographique prend tout son sens. Qu'importe l'histoire contée par la réalisation, puisque son univers n'est que enchantement ponctué de chants et de danses. Gros Plan déroule donc le tapis rouge pour un genre tout public, la comédie musicale. Comme à l'accoutumée, des personnalités du monde du cinéma et de l'audiovisuel vont nous accompagner tout au long de ce rendez-vous. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Tahar Boukla, scénariste, Kamel Mekesser, ingénieur du son, Iman Nawel, comédienne, et Riyad Aberkan, animateur de radio et producteur. En ce qui me concerne, je vous dis à tout de suite. Monsieur Mekesser, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on le sait, le son n'a pas de secret pour vous, entre les dialogues, le son de l'ambiance. Comment trouver cet équilibre avec le troisième ou le quatrième ingrédient concernant bien sûr la comédie musicale? D'abord, il faut recommencer un petit peu à redéfinir qu'est-ce que c'est cette bande-son dans un film. La bande-son dans un film, il y a trois cas importants. Trois cas importants. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Nous, autant que son, nous faisons entendre ce que l'image montre. C'est très important. Deuxième, tout ce qui est autour du dialogue, ça veut dire le bruitage, les ambiances, tout ce qui est, disons, ambiance, bruitage. Et le troisième cas, c'est la musique. La musique, elle joue aussi un rôle très important dans un film. Et le quatrième ingrédient, qui est, la comédie musicale, si vous voulez, le film lui-même musical. Moi, j'ai eu la chance de travailler justement sur des films musicaux. Il y avait un film qui est celui de Youssef Chahine. Vous savez très bien que Youssef Chahine, il a été longuement bercé dans le musical américain et aussi égyptien. Il a commencé dans les années 30 et 40. D'ailleurs, il a fait un film avec Farid Latrache et Shadia, avec Samia Gamal. C'est Anta Hubbi. Il a commencé dans le musical, il a commencé dans la comédie musicale. Bon, il a passé un moment. Et suite aux événements politiques en Égypte, etc., il a fait L'Enfant prodigue. L'Enfant prodigue, ce n'était pas la comédie musicale, mais c'était beaucoup plus une tragédie musicale. Pourquoi? Parce que les paroles de la musique, la chanson en elle-même, c'est un véhicule beaucoup plus un message politique, un message de liberté, un message aussi de révolte. Ce qui s'est passé à l'époque en Égypte. Et puis surtout, la dernière chanson de Magda Rumi, c'était, je me rappelle très bien, c'était le carrefour. Ftaraq al-Turuq. C'est quoi le Ftaraq al-Turuq dans la dernière chanson de Magda Rumi, composée par Kamel Tawil, dont là, j'ai la chance d'assister justement à l'enregistrement de cette musique avec Kamel Tawil, qui est un compositeur d'une générosité, d'une simplicité, d'un artiste complet, avec une écoute non seulement musicale, mais aussi une écoute esthétique, une écoute technique. On a l'impression d'avoir un technicien, musicien et compositeur. Et concernant le film Nahla ? Nahla, c'est autre chose. Le film de Farouk Belloufa, moi j'avais connu Farouk quand il était déjà assistant de L'Enfant prodigue. On était ensemble. Lui, il était assistant au Chahine, moi j'étais l'ingénieur du son. Il était vachement imprégné et influencé par l'école de Chahine. Quand il a fait Nahla, il a repris exactement ce qu'il a fait Chahine dans le film de L'Enfant prodigue. Sauf deux contextes différents. Beyrouth, enfin Liban, c'est la crise libanaise, c'est un conflit libano-libanais. Il y avait aussi les Palestiniens. Donc, c'est très complexe comme histoire. Et à travers cette histoire, il y a une chanteuse Nahla. Nahla qui veut être une diva comme Om Kulthum. D'ailleurs, il y a un passage où il y a un compositeur qui arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Elle lui dit « Je veux devenir comme Om Kulthum. » Le « Ah » de Om Kulthum, c'est-à-dire le Gourzi de Om Kulthum. Et malheureusement, c'est autre chose, parce que dans le film, quand on a fait le playback, quand on a fait l'enregistrement, on a la perd la voix. Hein? من بلش من اوله لحديت
لحديت خدي معك يا حب غير مقطع بصفي Alors on avait enregistré justement avec Ziad Rahbani qui était le fils, enfin qui est le fils de Fairouz au studio. On a fait cet enregistrement dans le studio, mais Nahla, ce n'est pas elle qui chante. C'est une autre fille qui chante qui est la nièce de Fairouz. Elle s'appelle Aïda Tomb. C'est elle qui chantait et repris au playback par Yasmine Khlat qui a joué le rôle de Nahla. Afin d'aborder la thématique de ce nouveau numéro, corrigez-moi si je me trompe, vous êtes l'un des rares, si ce n'est le premier scénariste, à avoir écrit un film consacré à la comédie musicale. Là, je parle de Saha. Ma question est la suivante. Comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure cinématographique? Il y a trois aspects, et il y aura trois aspects dans ma réponse. D'abord, le premier aspect, est-ce que je suis le premier ou pas à l'avoir fait? C'est-à-dire une question qui relève de l'histoire du cinéma algérien. Je laisse bien sûr les critiques et les historiens y répondre. Toutefois, j'aimerais apporter une précision. Ce qu'on appelle comédie musicale en général, on confond très souvent un film où il y a de la musique avec une comédie musicale. Pour moi, une comédie musicale, c'est un film dont les péripéties, dont l'intrigue évolue grâce à des chorégraphies. Il ne suffit pas qu'il y ait de la danse ou de la musique dans un film pour que ce soit une comédie musicale. Je prends des exemples très simples. Si je fais la biographie d'un chanteur, forcément, il y aura de la musique et de la danse, mais ce ne sera pas forcément une comédie musicale. Par contre, si je fais, et ça a été fait, une adaptation des Misérables de Victor Hugo en chorégraphie, en musique, là, ça devient une véritable... Au cinéma algérien, il y a eu effectivement des films où il a été question de chanteurs. Par exemple, La Mélodie de l'Espoir, de Jamel Fizes, ou encore les sketchs musicaux de quelqu'un comme qu'on appelle Mohamed Hilmi à l'UNTV. Mais à ma connaissance, le premier film qui s'est basé sur l'idée de raconter une histoire dont les personnages ne sont pas des chanteurs ni des danseurs et de le faire en chorégraphie et en musique, effectivement, ça a été ça. Match. T'es au championnat, gars. Ah, soit, putain. Et dans les dakhlas, tout le monde, je fais tout le halab, je suis là, les gens. Comment va, monsieur Sarkozy? How is Mr. Obama? And Mr. Bush? Mais ça, je suis juste bat. On est au comité! Non, 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 non. Nous, les Algériens, nous avons toujours vécu dans l'univers des comédies musicales égyptiennes, syriennes, libanaises, bien sûr, et même américaines. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le cinéma algérien n'en ait pas produit beaucoup plus. J'ai toujours été étonné que personne n'ait pensé à une telle évidence. L'Algérie est un pays méditerranéen, c'est un pays africain, on s'exprime en danse, etc., etc. Et pourtant, le cinéma algérien ne s'est ouvert que très tardivement à ce genre. Donc finalement, je n'ai absolument aucun mérite, sinon celui de m'être laissé aller à ce qui est, je pense, un instinct fondamental de tous les Algériens. Là, je parle au scénariste. Lors de la phase d'écriture, comment avez-vous réussi à intercaler les numéros consacrés au chant et à la danse dans le récit? Le fait le plus naturellement possible, le plus naturellement du monde. Je sais que c'est une question que les gens se posent toujours. Comment est-ce qu'on passe d'une séquence parlée, entre guillemets, à une séquence chantée? Il n'y a qu'à voir les grands standards de la comédie musicale. Ça se fait de la manière la plus naturelle qui soit. Il n'y a aucune technique particulière, sinon la spontanéité, sinon l'évidence de la situation. Si par exemple maintenant, au moment où je vous parle, je me mets tout d'un coup à vous chanter, etc. Ça paraîtra tout à fait naturel. Parce que le code est accepté par le public, c'est un film musical, et il n'y a pas à
essayer de chercher comme ça des procédés techniques, etc., pour justifier quelque chose qui est parfaitement naturel. C'est exactement comme dans la vie, on se met tout d'un coup à chanter, à danser, c'est tout à fait naturel. Est-ce que l'intérêt du film repose uniquement sur les intermèdes, les numéros de danse et de chant? Ça doit être un tout. C'est-à-dire, si la comédie musicale ne forme, si le film ne forme pas un tout, où musique, danse et séquences jouées, entre guillemets, normalement, ne sont pas harmonieusement agencées, etc., si le spectateur est là à attendre que ça chante, bien sûr, le film est raté. Imen, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez joué dans plusieurs productions cinématographiques, dans le film Esseha, une comédie musicale. En tant qu'actrice, comment se prépare-t-on pour ce genre de film? Je vous remercie à mon tour de m'avoir invité à cette émission. Alors, j'étais la dernière qu'on avait appelée dans ce projet et j'étais toute contente parce que, étant jeune, je regardais à la télé des comédies musicales à l'époque de Mohamed Hilmi. Et il y avait même un film dans lequel ma mère avait participé, donc ça m'avait intéressée et j'ai regardé, j'avais beaucoup aimé. Et donc j'étais toute contente de faire partie de l'aventure. Alors comment ça se prépare? Comme d'autres personnages dans d'autres films, sauf que la différence, il y avait quelques chansons à apprendre et aussi des chorégraphies. Donc il fallait un peu plus de temps pour être coaché pour apprendre les chorégraphies avec la chorégraphe. Selon vous, la difficulté réside dans le texte ou dans les numéros de chant et autres ingrédients reflétant la comédie musicale? Pour moi, en tant que comédienne, il n'y a pas de difficulté par rapport au texte. C'est une belle heure, c'est une mauvaise affaire. بصح ما مالغريتو نشوف واش نقدر ندير واجب عليه انا مسؤول على الباركينغ وجارك ونبيع عليه الصلاه والسلام وصنع الجار ما لا زيد اعطيها غسله خفيفه. Mais quand il s'agit de danser, j'adore la musique, donc j'adore écouter de la musique, mais aussi danser. Mais quand il s'agit de le faire plus professionnellement, donc là ça devient difficile parce qu'il faut s'impliquer, il faut s'entraîner. Et on pense parfois qu'on sait danser, mais il faut vraiment avoir le temps pour bien préparer tout ça. Comme on prépare son personnage, il faut préparer aussi son corps à s'exprimer dans la danse et sa voix. Bon, je ne suis pas chanteuse, donc ce n'est pas évident. Il faut quand même chanter juste, parce que c'était nos voix. Monsieur Riyad Aberken, tout d'abord, bienvenue à vous. La musique fait partie de votre quotidien, professionnellement parlant, bien sûr. Est-ce que l'univers de la comédie musicale vous interpelle? Si c'est le cas, pourquoi? Alors, l'univers de la comédie musicale est très complexe à un moment donné, parce que si on se dit comment la musique qu'on connaît déjà et sur lesquelles peut-être on a dansé ou qu'on a fredonné est utilisée dans le cinéma et comment elle peut être mise en scène réellement dans le cinéma, comme aussi c'est l'occasion de découvrir de nouveaux sons, parce qu'il y a ceux qui écrivent et qui composent uniquement pour le cinéma. Et c'est vraiment une occasion de découvrir de nouvelles pépites, ou de découvrir de la musique ou de nouveaux artistes. Je cite l'exemple de Gershwin, hein, qui est derrière pratiquement la bande-son du film Un Américain à Paris, en 51.
Bah, pour la nouvelle génération, de découvrir aussi des sons comme ceux d'Abba dans Mamma Mia et encore plein d'autres titres, les Bee Gees qu'on retrouve dans quelques films aussi qui ont été faits dans les années 70. Pourquoi ce genre n'est pas suffisamment traité par nos réalisateurs, contrairement à d'autres pays? Là, je parle de l'Inde, des États-Unis, de la France. D'abord, pourquoi ce genre-là ne se fait pas dans le théâtre? Parce qu'il faut d'abord qu'il se fasse au théâtre. Et à partir du moment où on le fait réellement au théâtre, c'est qu'il y a possibilité de l'adapter au cinéma aujourd'hui. C'est qu'il y a aussi cette retenue du comédien, du créateur, on n'ose pas. Et après, pour qui on produit? Est-ce qu'on produit pour la télévision? Et quand on produit pour la télévision, on se met des barrières parce que quand on veut aller jouer des sons pareils et les danser comme il se doit, comme en Inde, hein, dans le cinéma bollywoodien. Aux États-Unis ou en France ou un peu partout, c'est qu'il faut laisser libre enfin, à toute expression, on va dire. Donc, peut-être qu'il y a de la retenue chez nous. Ce n'est pas les talents qui manquent, ce n'est pas les compétences. Ou aussi peut-être l'écriture par rapport à l'adaptation au cinéma. C'est qu'en matière de scénario, à mon avis, il devrait encore beaucoup plus de complicité et de travail en commun avec et les musiciens, compositeurs, artistes et aussi scénaristes. Donc chez nous, c'est possible, mais je crois qu'il faut oser. Il faut vraiment avoir des réalisateurs assez fou pour pouvoir le faire. Et une très belle expérience avec Serha que j'ai apprécié, que j'ai adoré. J'étais content parce que j'ai revu quelques artistes algériens qui ne sont pas auxquels on n'est pas habitué sur le grand écran ou qu'on ne voit pas habituellement à la télé, mais qui viennent de la rue ou qui viennent du théâtre, à qui on a donné l'occasion justement de pratiquer leur art ou de justement de briller par à travers ce film-là. Et pour moi, ce film, c'est une réussite parce qu'ils ont osé, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont osé faire les choses autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Tout le monde pourrait parler facilement de Mohamed Hilmi. Mohamed Hilmi est parti dans un genre très, très simple où carrément il déclamait en chantant tout ce qu'il disait. Il y a eu évolution, Serha, mais ce serait dommage de s'arrêter à Serha. Au contraire, c'est à partir de là qu'on devrait peut-être lancer réellement ce genre cinématographique. Pour moi, nous avons les moyens, les comédiens, les talents, les compositeurs. La génération aujourd'hui musicale algérienne est extraordinaire, très éveillée. Bah, ça reste un genre qui est rare en production, pas seulement en Algérie. Et c'est aussi parce que ce genre de film, je pense, à mon avis, demande beaucoup de temps pour les préparations. Si on revient au film Moulin Rouge, par exemple, malgré que les textes soient des textes connus du patrimoine français, mais ça leur avait pris quand même 3 ans pour réadapter, pour retravailler les textes et tourner le film. Donc, c'est peut-être une question de temps, parce qu'on ne consacre pas beaucoup de temps dans la production cinématographique. Enfin, on commence toujours un tournage rapidement et on n'a jamais assez de temps. Ça demande beaucoup d'argent, mais aussi je pense qu'il y a un problème, à mon avis, de composition musicale. Malheureusement, en Algérie, il y a eu des tentatives justement de ça. Très très beau film d'Ahmed Nouzid dans Saha. C'est une reproduction. D'ailleurs, il y a Tahar qui va parler mieux que moi, il connaît très bien, c'est lui le scénariste justement de ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film parce qu'il donne cette chance à la jeunesse de s'exprimer à l'extérieur. C'est comme dans le film de West Side Story de Robert Wise, qui est une véritable comédie musicale de Broadway. On aurait bien aimé avoir ce genre de comédie dans nos films algériens, mais malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de texte ou il n'y a pas de reproduction de ces textes classiques. C'est dommage d'ailleurs, c'est vraiment dommage. Hein. Et moi, j'ai eu l'expérience de travailler avec un jeune qui s'appelle Abdelkrim Sekar. Il a créé un concept tout à fait à part dans Night Bus. C'est quoi le Night Bus? C'est un bus carrément de la RSTA, aménagé à l'intérieur en décor, un véritable décor
je dirais, un salon pour inviter, pour les invités, etc. Donc, tout en déambulant dans la capitale d'Alger ou celle de Constantine ou d'Oran, il invite des groupes. Des groupes, je peux dire, des groupes, groupes musicaux, des chanteurs, des chanteuses, même insolites, qui viennent dans le bus et ils font ce qu'on appelle représentation tout en enregistrant le son de la musique. Elle est magnifique d'ailleurs. Ça, c'est une tentative de s'exprimer d'une autre manière au lieu de faire des films, je dirais, musicaux ou comédies musicales. Puisque vous, justement, vous parlez de ça, des différences qu'il y a entre les contextes culturels, il y a un autre élément très important qui nous a beaucoup pénalisé, c'est tout simplement l'autocensure. Quand vous avez des danseurs et des danseuses notamment, qui passent leur temps, les pauvres, à faire des mouvements en évitant qu'on voit un peu trop que leur corps se dénude, etc., c'est très handicapant. C'est-à-dire que vous avez des danseurs et des danseuses qui ne sont pas relâchés. Mais maintenant, il y a un autre élément qui est très important, c'est l'absence de chorégraphes. Alors, en Algérie, bien sûr, il y a des chorégraphes, mais qui travaillent sur des spectacles de planches. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'imaginer comme ça un spectacle pour la scène et de travailler à un scénario de comédie musicale. Quel est le film qui vous a le plus marqué concernant le genre en question, bien sûr? Moi, c'est beaucoup plus West Side Story qui m'a... C'est un classique des 1960. Hein. Il y a Grease, il y a aussi un film que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, c'est Phantoms of the Paradise, ou l'Inde. L'Inde, il fabrique 600 films par an. La comédie... Algérien, enfin, je parlais tout à l'heure de Saha, c'était la curiosité. Hein, c'était la curiosité et j'ai apprécié, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'audace. J'ai pas, contrairement à beaucoup de personnes, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé, pas ce que j'ai aimé. J'ai pas aimé La La Land, même si c'est un film qui a été oscarisé. Mais pour moi, il était quelconque. Mais en remontant dans l'histoire, ou en remontant un petit peu plus loin, il y a Grease, il y a Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce film il peut être facilement tout de suite réadapté et être joué autrement avec d'autres actrices et recomposé pour ce film-là. Pourquoi? Parce que c'est l'univers musical qui est complètement différent. On va du jazz qui se jouait à Paris et qui se jouait uniquement dans des clubs bien précis, et on va dans un monde des cabarets et de la musique autrement jouée, autrement vue. Et c'est un univers qui nous permet aussi de donner un autre sens à ce que les gens arrivent à imaginer parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne découvrent pas. Des trucs classiques. Pour la comédie musicale américaine, c'est peut-être Singing in the Rain, Stanley Donen. Plus récemment, il y a le film de Lars von Trier, Dancing in the Dark, qui est une comédie musicale, entre guillemets, dramatique, et qui montre justement qu'une comédie musicale, ça n'est pas forcément de la joie et du rire, c'est-à-dire que la chorégraphie, la danse, la musique peut exprimer également le drame. Il y a eu également, j'en ai parlé tout à l'heure, une adaptation des Misérables de Victor Hugo en comédie musicale, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. La comédie musicale, avec le cinéma, art populaire par excellence, remplit deux missions avec exactitude, le spectacle et le divertissement.